disons, l'Orient constitue une délégation dirigée par moi-même, le deuxième vice-président de l'Alliance. Il était important, une fois que nous avons pu mettre en place cette nouvelle plateforme, de venir présenter l'Alliance à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons profité pour échanger, surtout sur la CEI, pour partager avec elle notre, je dirais, aujourd'hui, on n'est pas satisfait de ce qui a pu se faire à l'Assemblée, où une loi a été votée, mais cette loi ne nous convient pas du tout. Cette loi ne nous convient pas du tout. C'est une CEI indépendante. Ce n'est pas une CEI indépendante. Nous, comme le nom l'indique, on dit bien Commission électorale indépendante, indépendante de l'exécutif. Ce n'est pas ce que vient rechercher le représentant du président de la République, qui est le chef de l'exécutif dans cette CEI. On se demande ce que vient chercher également les représentants de l'Assemblée, le président de l'Assemblée. Donc, c'est une CEI dépendante de l'exécutif et de quelque part de l'Assemblée. Et à votre avis, comment devait-elle se présenter? C'est une CEI des partis politiques. C'est une CEI qui doit gérer des élections, et les élections concernent les partis politiques. Ça ne concerne pas le président de l'Assemblée, ça ne concerne pas le président de la République. C'est les partis politiques de l'opposition et les partis politiques au pouvoir, au besoin, assistés, arbitrés par la société civile, pour que les choses se fassent. Mais on se demande aujourd'hui que vient chercher l'exécutif dans l'organisation de la CEI. Ça nous donne le sentiment qu'on prépare déjà à des élections non transparentes. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter.